My name is Albert Ibrahim. De quelle nationalité? Your nationality. I'm a Nigerian. Il dit qu'il est Nigérien. Ok, d'accord. Est-ce qu'il reconnaît que c'est Pierre l'ont été saisi avec lui? So now they are asking you if you recognize that this thing is belong to you. Yeah, I recognize. Il dit oui qu'il reconnaît que ces choses l'appartiennent. Et comment est-ce qu'il fait pour obtenir ces documents et Pierre là? Okay, they want to know how do you manage to get these things? Et qu'est-ce qu'il en fait? Et qu'est-ce qu'il en fait? What do you do with it? Yeah, I got it from internet. What? I did it myself. Il dit que ces choses, il les confectionne lui-même à partir de l'internet autre. Depuis quand il a commencé ce travail? Non. Qu'est-ce qu'il en fait? What do you do with it? What do I do with it? I do business with it. Il dit qu'il fait des affaires avec. Est-ce qu'il reconnaît qu'il est dans la, s'il est dans la légalité? Do you know that you are in legal or illegal things? Yeah, pour faire ce business, pour faire ce business. For do this business. It is illegal, man. Il dit qu'il reconnaît que c'est illégal de faire ce genre de business. Est-ce qu'il a des complices? Voilà. Guinéen. Now they want to know if you have some Guineans among who you work with. I don't have anybody, no Guinean. Il dit qu'il n'a aucun Guinéen avec qui travailler ici, qu'il est seul. Depuis quand il a commencé sans Guinée? So now they want to know how many times do you make with doing mon this? Enlève ton mon bras, enlève ton mon bras. C'est quand lui finit, tu le tends le micro. Nous on a besoin de l'image. They want to know how long it take now since you start to do these things. I'm in Guinea now for 8 months. I'm in Guinea now for 8 months. Not because you are in Guinea. They want to know how many times you make doing these things. How many times? It's just now. They say it. That's the only one I do. Il dit qu'il est en Guinée ça fait 6 mois, mais que c'est la première fois qu'il fait ce genre de business. Par quelle méthode là il est parti guinéen? Je pense que c'est déjà c'est bon parce qu'il reconnaît qu'il dit que c'est illégal, donc c'est l'essentiel quoi. Il a reconnu. Il a reconnu et il a dit que c'est illégal. Je pense que c'est l'essentiel. Donc, hein, mon frère. Bon, pas seulement la population guinéenne qui. Victime. Moi, je voulais simplement vous dire qu'il y a un sentiment de remords parce que je me trouve devant un fait accompli tous les jours. Moi, je ne dors pas. Je ne dors pas quand je suis tout ensemble dans ces pensées. Et je me dis que, comme j'étais une fois expliqué, le crime organisé, en fait, c'est tout ce qui est criminalité transfrontalière. Les gens confondent souvent. La criminalité transfrontalière que nous faisons, qu'on appelle crime organisé, sans codification, et le grand banditisme, ces deux choses diamétralement opposées. Et nous faisons tout ce qui touche le pays ou qui transite vers d'autres pays. Vous voyez ce Nigérien, je commence par ce monsieur qui est un escroc international, qui a été interpellé, et ça fait plus de 4 ans. On était à sa trousse. Plus de 4 ans, on avait son information. Mais il aussi entre la Guinée et la Sierra Leone, ou deux fois en Gambie, éventuellement en Guinée-Bissau, tout. Et deux fois, il peut disparaître 6 mois, on ne le voit pas. Mais on a voulu le prendre les mains dans la patte. Et c'est vrai. Ouais, juste pour ne pas le prendre avec des preuves tangibles. Sinon, deux fois, il est filé, tout, il marche avec des gardes de corps. Mais ça ne dérange pas dans notre mission quotidienne. Hein. Ça ne dérange pas du tout. Et on se dit que il faut que chacun se réveille. Il faut que chacun se réveille. Quand le monsieur l'a pris aujourd'hui avec une grande quantité 200 kg d'or, de faux or,
Imaginez-vous. Imaginez-vous. Les lingots d'or qu'il fabrique, il a les documents de presque tous les services. Et ce que je ne dois pas oublier, c'est que ce qui m'a écœuré hier, quand le monsieur est arrivé ici, il a dit de faire vite son PV et le transmettre devant les tribunaux. Wow. Je jure, j'étais en train d'appeler comme ça le procureur de Sine, qui est un monsieur à qui j'ai confiance. J'ai cherché à joindre le procureur général, que je vais aussi informer par rapport à sa motivation. Et je vais envoyer un message au ministre de la Justice même, par rapport à la motivation du délinquant, qui dit transmettez-moi au tribunal. Et c'est vrai. Hein? Il ne voulait même pas parler, hein? Malgré les preuves tangibles que vous avez vues, et prises dans son congélateur à la maison. Et c'est vrai, un congélateur conçu pour ça, acheté pour ça. Juste quand les Blancs viennent, il a tous les documents. Vous avez vu qu'il a tous les documents légaux. Mais ce qu'il fait est faux. C'est ce qu'il fait qui est faux. Mais en termes de documents, il est muni de tous les documents légaux. Et c'est vrai. Il faut qu'on regarde un peu les gens, leur identité, leur passé, avant de donner n'importe quel document. C'est très important. Quelqu'un qui a 4 passeports avec des noms différents, imaginez-vous le reste. Et c'est vrai. Il va même jusqu'à avoir un passeport diplomatique qui est donné par je ne sais pas où. En Guinée-Bissau. Et c'est vrai. Guinée-Bissau, est-ce que ce n'est pas les mêmes filières? Et c'est vrai. Hein? Et c'est compliqué. Donc, il marche avec cette étiquette diplomatique. Il est fait dans des nuits ou de suyer la réputation de notre pays. Parce que ça, c'est pour décourager les investisseurs. Ça, c'est pour montrer à la face du monde que la Guinée, c'est un pays non fréquentable. Et vous voyez, parce que quand les Blancs se rendent compte, il y a un dossier comme ça avec moi ici, on est en train de dévoluer, ça porte sur 1 800 000 dollars. Hein? Anarchie des citoyens européens qui sont là tous les jours. Et vous voyez, c'est quand on a appris que ce monsieur est arrivé, on a fait un recoupement pour voir est-ce qu'il était... mené à cette frappe, parce qu'ils appellent comme ça frappe. Hein? Et c'est après qu'on a compris qu'il n'est pas mené. Lui, il est voulu en solo avec les gens de Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Sierra Leone et autres. Et vous voyez, la Guinée est inondée. Il faut qu'on se réveille. Moi, je vous donne une indiscrétion. Nous, en avril, d'ici le 15 août, on va adopter d'autres systèmes. On va essayer de se mettre en rapport avec les autres de sécurité et pouvoir identifier un peu tout ce monde qui tourne dans ce pays. Il n'y a plus d'étrangers à la manière que Guinéens. Tout à fait. Il n'y a plus d'étrangers à la manière que Guinéens. D'autres sont dans les bâtiments inachevés, qui ne sont pas contrôlés. Personne ne le connaît, je ne sais pas comment ils rentrent. L'espace c'est Diao, je suis d'accord. Mais il y a les limites. Pourquoi on prend les Guinéens au Nigeria, on le rapatrie? Celui qui ne fait rien nuit celui qui travaille. Sa présence de celui qui ne fait rien nuit celui qui travaille. Et c'est vrai. Donc, pratiquement, ceux-là qui sont à la manique, ceux qui sont dans nos quartiers, ils voulaient encore profiter de la présence de ces journalistes-là pour tendre la main aux citoyens. Mais tout ce monde-là, ils sont logés où? Dans les quartiers. Celui qui est dans un quartier, il est logé. Toi qui as logé quelqu'un, il te paye 200 000, 300 000, 1 million, 200, 2 millions par mois. D'autres payent 15 millions par mois. Ils prennent un bâtiment entier. Ils montent un côté comme un bureau, comme le bureau. Juste pour anarquer les étrangers. Hein? Tenir l'image du pays. Pendant ce temps, le locataire, j'ai parlé de le propriétaire du bâtiment, il est là. Et c'est voyez. Hein? Le logeur, il est là. Il regarde tout ça. Il n'intervient pas. Parce que lui, ce qu'il le regarde, c'est son bénéfice. Ça, c'est extrêmement grave. La manie, il n'y a plus d'étrangers. Ghanéens, Libériens, c'est ce qu'on appelle là, Gambiens, Guinéens, tout est monde comme ça, dans le bâtiment inachevé. Retrouver des immeubles à la manie, de rez-de-chaussée, au troisième ou quatrième étage, sont les étrangers. Qui n'ont pas de domicile, parce que ça, ce n'est pas un domicile, c'est juste une nante à terre. Les gens, ils passent la nuit. L'essentiel, pour le propriétaire du bâtiment, c'est la mensualité. Il faut dès qu'on dépasse cette analyse, que les gens comprennent que l'insécurité, c'est d'abord un problème de sociétal, c'est un problème de tout le monde. Et vous voyez, ça, ce n'est pas le Fakonde, ce n'est pas Tiburo, ce n'est pas toi, Paris.
C'est tout le monde. Parce que quand les gens sont kidnappés dans le quartier, c'est pas les Guinéens qui le font. Généralement, l'indicateur, l'élément essentiel des kidnappés, c'est les étrangers. Les Guinéens sont souvent des facilitateurs, des gens qui rentrent naïvement parce qu'il y a l'argent qui est proposé. C'est ça. Mais on ne connaissait pas tout ça. Du fait que la Guinée a connu tous les pays limitrophes là, ont connu des guerres, des nouvelles. Du fait que les frontières sont poreuses, les gens sont venus s'installer. Du fait que nos lois aussi sont faibles par rapport à eux, ils ont venu s'installer. Sinon, il y a des pays, tu ne peux pas aller avec la drogue là-bas, même si on te donne le diamant. Le monsieur, il vend le faux diamant, il vend le faux or, ou anarque les gens à travers ses faux diamants et ses faux or. Vous avez vu les diamants en quantité. C'est taillé comme du diamant. Et vous voyez, c'est bien taillé, mais c'est du faux. Quand c'est dans un congélateur, l'observateur qui vient, l'acheteur qui vient, qui est un blanc, quand il voit ça, oui, c'est l'image qui est partie. Il va faire pour voir même qu'il vient, que c'est filmé au niveau de la Banque Centrale. Il ne veut pas comprendre parce que la société qu'il a, c'est une société normale. C'est une société normale qui a tous les documents. Et vous voyez, il a des cachets. Il a combien de cachets là-bas? Quatre cachets. Avec les noms différents, signatures différentes. Et vous voyez, c'est comme le Tchadien qu'on a arrêté ici. Et vous voyez, le Tchadien qu'on a arrêté. Donc c'est la même chose. 5 ONG, 5 directeurs, c'est le seul hein, qui a 5 ONG, qui est 5 directeurs, 5 cachets, signatures différentes, cachets différents, et puis ça passe. Et vous voyez, ça passe. Alors vous pensez qu'on peut construire le pays avec ça? Il faudrait qu'on cède, que tout le monde se lève. Que comme le Guinée connaît vraiment et conjugue le même verbe au moment opportun, je pense que les gens doivent conjuguer le même verbe pour faire en sorte que ces citoyens qui sont là, qui sont des étrangers, on n'a pas besoin de dire que les étrangers n'ont pas quitté. Mais la mission qu'on va commencer, on va identifier. On va prendre les quartiers qui sont naturellement criminogènes, comme la Maï, comme Yataya, comme Kobaya, comme après le pont de la Manila. Hein? C'est ça, sur les côtes là-bas. Là. Mm-hmm. Tout ça là, j'ai été là-bas une fois quand on a arrêté un monsieur là ici qui a détourné 200 millions, et 200 000 dollars avec des blancs. Et c'est vrai, ça c'était 200 000 dollars. On a des dossiers des millions de dollars. Anarchie des citoyens européens ou asiatiques, je ne sais où. Et c'est vrai. Même tout ça, il y a un Américain qui vient de quitter. Un Américain qui vient de quitter, qui a été anarché,